salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure. Toujours sur Get Even et nous en sommes à l'épisode 6. J'espère qu'on va en savoir un petit peu plus cette fois-ci dans cet épisode. Ou du moins savoir au moins quelque chose parce qu'on ne sait vraiment rien pour le moment. Juste avant je vais faire une petite mise au point, d'accord? Donc certains d'entre vous veulent m'aider, ça y a pas de souci. Je lis tous vos commentaires, il y a pas de problème. Par contre, n'oubliez pas, on rigole, on est là, on est tous ensemble, ok, on est potes, on est une famille, tout ce que tu veux, mais je suis pas ta salope. J'ai lu quelques commentaires de mecs qui disent « Ouais, mais B-Boy, tu fais rager, t'es full triso !» Genre, et bien évidemment, tous ceux qui écrivent ces messages ont terminé le jeu. Et ça, vous oubliez d'en prendre entièrement conscience, parce que moi, je le découvre du début jusqu'à la fin avec vous, d'accord? Donc, si t'as terminé le jeu et que t'as eu tous les indices, ça retec pour toi frérot. Y'a pas de souci si je te fais rager, si tu veux tous les indices du 100%, j'ai déjà dit dans tous mes let's play, tu te casses, ça sert à rien de venir me voir frérot, tu vois. Déjà avant de me parler les gars et d'essayer de me donner des conseils, mettez-vous d'accord entre vous. Par contre, que tu m'expliques gentiment les bases du jeu ou autre parce que tu l'as fini, y'a pas de souci frérot, je t'écoute. Mais je suis pas une salope, donc me parle pas comme une merde. J'espère bien évidemment avoir mis les choses au clair, ok. On peut s'amuser et tout, ok, y'a des vidéos, ok, t'es derrière un clavier, ok, moi aussi, je suis derrière un clavier, on rigole, mais je suis pas ta pute. Donc les gars, maîtrisez-vous, c'est tout ce que je vous demande, ok. Et oubliez pas encore une fois que vous, vous avez terminé le jeu et pas moi. Donc je le découvre en intégralité. Alors essaye pas de ramener ta science à dire ouais je sais pas quoi, non mais gros t'es full con, s'il donne un corner c'est pour tuer, faut tuer les deux premiers et après la suite, toi t'as fini, pas moi. Donc maintenant, on se calme les gars, on est là pour kiffer, on est là pour s'amuser, on est là pour avancer et découvrir tous ensemble ce jeu, ce Get Even, chose bien évidemment qu'on va faire avec plaisir. Donc calmez-vous tous un petit peu, hop. On va mettre le flingue comme ça. Calmez-vous tous un petit peu et appréciez tout simplement. Parenthèse fermée, je pousse rarement des coups de gueule, mais j'ai l'impression que de plus en plus vous êtes là à forcer les gars. Me forcez pas à pousser un coup de gueule par let's play, c'est chiant. C'est chiant aussi bien pour ceux qui n'ont rien demandé, pour ceux à qui ça n'intéresse pas, et c'est chiant pour moi, d'accord? Donc faites un effort. Je lis bien évidemment tous vos commentaires. Si tu veux m'aider, me donner des conseils sur le jeu, parce que tu l'as fini tout simplement, il n'y a pas de souci, mais fais-le correctement, d'accord? Ne me parle pas comme une merde. Bref, terminé les potes, on peut continuer. Alors, ils m'ont remis ici, j'ai chargé la partie, ils m'ont tout simplement remis ici. Donc, je vais faire ce qu'une personne fort arrogante m'a conseillé, c'est-à-dire de tuer ces deux-là. Et bien évidemment, après, de passer à la suite. Donc, lui, une balle, on n'en parle plus. Et lui, une balle, on n'en parle plus. Tout en furtivité, monsieur Black, parfait. Bon, voilà ce qu'on va faire. J'avais aussi remarqué que là-bas, on pouvait casser lors de ma première tentative. Mais on ne peut pas sauter là, si jamais, hein, bien évidemment, sinon je me serais empêcher de tuer quelqu'un. Hop, on va activer et faire apparaître l'objet. On va essayer de la jouer full couverture maintenant. J'ai bien dit essayer. Si j'arrive pas, les gars, ça arrive. Vous, à vous écouter, enfin, certains, bien évidemment, à vous écouter, vous faites tout parfaitement du premier coup. Bah, franchement, les gars, ça retait pour vous. Moi, c'est pas mon cas. Je suis pas champion du monde sur Get Even, vous l'aurez compris. Le train est en marche. On avait déjà reçu ce SMS. Alors, maintenant que les choses sont claires, on va quand même essayer de choper tous les indices, d'accord? Là, il y a un gars normalement. Tiens, on va faire apparaître ça là. Ah, très bien. Ah putain, il y a un gars juste ici. J'ai peur de le louper. Il est difficile pour Pandore de simuler des réactions humaines non enregistrées. Ne jouez pas avec ce paramètre. Rangez votre arme. Ok, maintenant il me dit de ranger mon arme. Je vais l'écouter, le frérot. Il n'y a pas de souci, d'accord? Donc vous énervez pas. J'ai peut-être tué une personne en trop. Écoutez, c'est comme ça. J'espère que maintenant tout va bien se passer. Ok. Donc pour le moment... Ok, là on a une arme. Ok, j'ai encore ramassé une arme, attendez. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ok. Ah! Donc j'ai fait bugger le jeu, j'ai une arme totalement invisible dans mes mains. C'est quoi ces conneries? Mais les gars! Oh la tête de ma mère! Je peux plus changer d'arme! Je peux... Non! Et voilà, ça arrive qu'à moi. Même quand je vous écoute, frère, il m'arrive que des conneries, là. Putain. Je peux pas. Les gars, je ne peux pas changer d'arme, en fait. Attendez. Oh. Ah, ben, j'ai... Ah, c'est bon, putain. Ok, c'était terrible. C'était terrible, les gars. Bon. On va récupérer cette arme, parce qu'avec vos conneries. Ok. Donc, comme il m'a dit, ranger cette arme. J'aimerais bien ranger mon arme, avoir que le portable. Mais pour ça, faudrait qu'il fasse un effort, notre frérot. Ok, donc c'est parti. Là, il n'y a rien. On va essayer de chercher. Là, il y a quelqu'un. Des indices. Déjà, pour commencer à chercher des indices, on va aller là-haut, d'accord?
On va aller là-haut, évidemment. Moi, je lis tous les indices hein, qu'on croise. Il n'y a pas de souci, les gars. Hein, vous l'avez bien vu. Encore une fois, si vous cherchez un let's play à 600% sur le jeu, c'est pas moi qu'il faut voir, d'accord? Parce que moi, j'ai pas que ça à foutre, les gars. Ça va, on est là, on s'amuse, mais je vais pas te faire du 800%. Ok, on va essayer de passer par là, peut-être. Putain. Y a pas plus d'indices que ça, hein. J'ai pas l'impression qu'il y ait plus d'indices, hein. J'ai été cramé, c'est peut-être pour ça qu'on a été déconnecté et qu'ils m'ont remis ici quand j'ai chargé la partie, je ne sais pas. En tout cas, pas l'air d'y avoir beaucoup plus d'indices que ça. Oh, il y a un gars juste derrière, mais non. C'est un délire. Ok. On va rester dans les buissons, les gars. Et je peux pas sortir mon arme. Ok, j'ai pas pu sortir mon arme. On se casse, y a pas plus d'indices que ça jusqu'ici. On va peut-être refaire le passage. Oh, je le retends bien. Je le retends très bien, on va voir. On va voir, on va voir ce qu'il va me dire. Est-ce que je vais tomber déjà? Non, je ne tombe pas. Ok. Je suis pas tombé mais... Ok, si, 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 ça fait le même truc. Ça fait le même truc. Ça fait le même truc. Je crois qu'il y a un nouveau problème avec ce souvenir. Il devient très instable. Je vais tenter de régler ça. En attendant, je vais vous transférer une photo. Utilisez-la pour sortir. Donc, jusqu'ici, bon, ça n'a pas changé. On n'a pas changé l'espace-temps, les gars. Même si je me suis fait cramer sur la fin. La photo. Ok. Jusqu'ici, ça n'a pas changé grand-chose. Peut-être qu'on va pouvoir encore y revenir une troisième fois. Oubliez pas qu'on avait taffé un petit peu le dossier. Je crois qu'il m'avait carrément donné une arme, il me semble, en souvenir, il m'avait dit. Donc, nickel. Vas-y, donne-moi, frérot, il n'y a pas de soucis. Allez, ouvre, frérot. Voilà, ça va fort. Ok, bonne chose de fait. Bon, celle-là, on l'a fait. On va pouvoir repasser, tout simplement, dans la... Ah non, on retourne à l'entrepôt. Ok. On retourne à l'entrepôt pour la troisième fois, cette fois. Là où on était. Ah, il semble se stabiliser. Continuer. Ah, d'accord. Donc, quoi qu'il arrive, au final, que je me fasse cramer ou non, ça n'a rien changé. Donc, se couvrir leur gueule. Voilà. Bref. Ok, on peut continuer, les gars. Alors, attendez. Je sais que les points verts sur le côté du téléphone, ça signifie qu'il y a quelque chose pas loin. Mais, les gars, encore une fois, je veux bien qu'on s'amuse. Hein, mais je vais pas faire toutes les pièces comme un connard à regarder partout. Chaque pixel près. C'est chiant, d'accord hein. La vérité, je sais bien que ça coûte, mais quand même. En plus, elle est par là, la preuve, il me semble. Elle est par là, elle est même ici. Allez, c'est parti. Petite photo. Pas du tout ce que c'est. Ah d'accord, tout ça pour le paquet de clopes. Empreinte digitale trouvée. Jasper Prado. Oh putain, d'accord, on est retourné dans le passé où Prado est passé par ici il y a pas longtemps. On va faire attention. On va essayer d'utiliser F pour pas tuer pour rien. Mais après, encore une fois, il m'a passé ce corner gun. Je pense que c'est tout simplement pour me régaler. Hop. Ok, pas de soucis jusqu'ici. Ah. Je sais pas si j'ai bien fait, mais je m'en bats les couilles, je fais ce que je veux, ok les gars? Les gars, c'est pas comme s'il avait... Ah lui, je sais pas si je l'aurais d'ici. Beaucoup trop loin. Hmm. En plus, j'ai un silencieux, bah les couilles. Ok. Hmm, y a l'air d'y avoir personne. Si, y a un mec là-haut. Ok. On va pouvoir passer en haut, on en a tué deux déjà en bas, c'est pas mal. Après en soi ils m'ont rien fait, hein. Mais bon ils ont quand même des armes lourdes, donc tu sais quoi, je fais ma petite aventure, quitte à avoir changé le temps. J'irai avoir un let's play où un mec il a que ça à foutre que de ramper gros. Et de tuer personne. Ok, va falloir faire attention par contre. Putain je peux faire apparaître une putain de cargaison là-haut. Wow. Je peux te poser une question? Vas-y. T'as déjà tué quelqu'un? Vas-y, fais apparaître, frère, s'il te plaît, abuse pas. Non, 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 non. Putain, je peux pas, je peux pas. J'aurais dû rester en bas.
On va retourner en bas, on va retourner en bas. Il n'y a rien en haut. Je pensais que c'était en haut que tout se passait. Mais il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc, on va retourner en bas. On va pouvoir faire apparaître des cargaisons. Essayer de se la jouer un minimum d'infiltration. Putain, oui, d'accord. En plus, il n'y a qu'une porte. Ah, c'est chaud. C'est chaud, ça brûle. On va tâter le coin, les gars, là. Ok. Petit coup de corner gun, ça fait plaisir. Oh. Ok, et là-haut, il y a une autre porte ou pas, peut-être? On y croit? Yes. Ok. Ça fait bizarre de l'entendre respirer un petit peu, là. Ok. Donc, vous voyez, je fais quand même un effort. Hein. Quoi? J'essaye de voir l'indication. Blanche, ok. Putain, c'est gigantesque. Quoi? C'est bon? On se calme, messieurs? Ok. Oh putain. Ok, on va attendre qu'il passe. Vous avez vu, je fais un effort, hein. Je fais un effort pour que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. N'est-ce pas? Soulignez-le, s'il vous plaît, ça mérite un like. Il n'y a pas de preuve ici, c'est terrible. Je m'attends à trouver une petite preuve, un petit quelque chose, tu vois, Psartek, frère. On est là, on se régale. Rien du tout, hein. Rien du tout. Rien du tout, la vie nulle. Ok, on va aller là-haut. Là, ils sont deux. Hein. Ah, lui, il est chiant. Lui, il est très, très chiant. On va essayer là-haut. On va peut-être les regarder en même temps, on sait jamais. Ok. On va attendre que... Attends, et si je passe par là? J'en sais rien. Je tente un truc, hein, les gars. Je tente des trucs, y a pas de souci. On est là, on s'amuse. On peut le faire disparaître, ça, normalement. Attendez, bougez pas. Vas-y. Allez, abuse pas, gros! Mec, mais... Allez, c'était chiant. Ça va enculer. Pas le temps pour vos conneries. Voilà. À un moment, tu fais un effort. Le jeu n'en fait pas. Hop. Ok, c'est chiant. Ok. Ok, on a pas mal de choses ici. Ils m'ont déjà oublié, je crois, non? Ils m'ont déjà oublié, voilà. Ils ont la mémoire courte, ça m'arrange. Bon, on a des choses assez intéressantes. Casier judiciaire de la police de Siverne. Conduite dangereuse en 2002, possession de drogue, possession d'explosifs dans des circonstances suspectes et possession d'armes à feu avec intention... criminel. Information complémentaire, le 4 juin 2015, Jared a signé le contrat d'informateur de la police de Siverne. Son nouveau profil est classé WM, mais couille au bord de l'eau. Ok, on va ouvrir cette lettre qui a l'air bien plus intéressante que le simple profil VIP. Le 3-6-2015, Ben dit qu'on est tous foutus. Les flics ont eu Jared et c'est qu'une question de temps avant qu'il nous tombe dessus. Deux jours plus tard, Jared est venu me voir et il a rien dit pour son arrestation. Il fait comme si de rien n'était arrivé. Quand je lui ai répété ce que Ben m'avait dit, il m'a répondu que Ben avait craqué, que les flics le cherchaient pas et qu'il était juste parti à Londres pour la journée. Putain, j'en suis sûr et certain, il y a un truc qui cloche. Et si les flics tiennent Jared en laisse, on peut plus lui faire confiance. Ok. Pourquoi quelqu'un pleure ? Ok. Quelque chose à prendre ici. Hey, hear me out. Écoute-moi, je vous en prie, écoutez-moi. Just hear me out. What do you want? You're here for Jasper, yeah? Vous venez pour Jasper, hein? Ils le retiennent ici. Why are you here? Et vous, pourquoi vous êtes là? Ils m'ont enfermé parce que j'ai voulu l'aider. Mais c'est parce que j'avais peur, je le jure. Je l'ai vu tuer des gens juste parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui. Je vous en supplie, si vous blessez ici, ils vont me tuer. Please. Ouais, mais est-ce que je dois changer? Et le problème, c'est que j'ai pas eu le temps de voir c'est qui sur l'identification. Je suis pas sûr que je l'avais libéré la première fois. À mon avis, je dois pas changer la courbe du temps, donc on va le laisser crever, les gars.
Comme on dit, chacun ses soucis. Ah ouais, je vois le fil. Ok, on verra plus tard, les gars. Oh là, il peut se débrouiller, les gars. T'es sûr que t'es juste enfermé, frérot? Ok, on fait attention. Oh putain, j'ai eu tellement peur. Ok, une nouvelle preuve. Jasper travaille dans la plus grande discrétion depuis presque 10 ans. Militaire dans les années 90, il est rentré en contact avec ceux qui l'emploient aujourd'hui en tant que mercenaire. Il s'est fait renvoyer. Il aime beaucoup les drogues récréatives comme l'herbe, le cat et l'ecstasy. Et se fait de l'argent facile en les revendant. Il ne fait que des petites quantités pour rester dans l'ombre, imprévisible et un peu fantasque, mais c'est le meilleur mercenaire que je connaisse. D'accord, putain, entre Jasper, Prado, ils ont tous des blazes assez compliquées à retenir, là. Jasper, je sais même plus qui c'est. C'est terrible. Jasper, je sais même plus qui c'est, les gars. L'autre, Miskin, est toujours enfermé. What the hell? Quoi? Ah! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok, on a quelque chose ici. On a son téléphone, très intéressant. Ok. Jasper, il est au courant et il te cherche. Retrouve-moi au manoir, je suis en chemin. Rose. Oh putain, il y a un nouveau protagoniste qui rentre là. Rose, c'est quoi ce délire, les gars? J'aimerais... Toujours aucun souvenir de ce Jasper. Mais j'ai trouvé une preuve, qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord. Ok, qu'est-ce qui se passe? Vous me renvoyez en hôpital psychiatrique, c'est ça? Je suis devenu fou? C'est vous qui m'avez fait venir ici, Red? Il n'y a aucune douleur. Red, Red, vous avez vu ça? On a un nom et même un endroit. Rose et un manoir. Red? Red? Red, vous êtes là? Red? André? Oh, coucou toi, salut bébé. Red, hey. Red, hey. You watching? Vous regardiez ou pas? Who's Rose? C'est qui Rose? And where is this mansion? Red, il est où ce manoir? Nous n'avons pas encore terminé notre enquête à propos de ce Jasper, monsieur Black. What do you mean, I've unfinished? Comment ça, pas terminé? On a récupéré un nom, un endroit, et Jasper est mort. Il faut qu'on... C'est moi qui dis ce qu'il faut ou non, Black. Vous êtes ici à ma convenance et vous portez ma technologie. Ne me mettez surtout pas en rogne. C'est bien compris? Ok, ok, ça va. Je fais quoi alors? Red. Red? Allô? Je fais quoi? Oh, never mind. Ok, I'll pas grave, proceed, je vais poursuivre comme d'hab. Ok, donc là les gars, Red, étant donné que la voix de Red des fois part dans une voix aiguë, est-ce que Red ne serait pas Rose, par exemple? Je sais pas, et Rose essaye de sauver, j'en ai aucune idée. You need to tell me ok, donc ça on avait déjà tout écouté, tout entendu, il y a aucun souci, rien de nouveau là-dessus, aucun problème. Bon. On va pouvoir partir. Nous voici donc dans l'hôpital psychiatrique. Cette fois-ci, si on croise un fou, entre guillemets, on va essayer de ne vraiment pas le tuer, de voir un peu les coups qu'il va me porter et de voir un petit peu ce qu'il peut me dire. Est-ce qu'on va retourner un petit peu? Tiens, on va retourner dans le binaire, juste voir s'il y a un nouveau tableau qui s'éclaircit ou non. Histoire de voir si on avance un peu dans le processus, ce que je doute fortement. Ah! Oh! D'accord. Donc, c'est un nouveau tableau sur l'asile, hein, vous l'aurez compris. Et ça, à quel moment je l'ai ramassé? Quand il était en vie, je n'avais pas réalisé qu'il était tout pour moi. Bien sûr, c'était un homme marié. Mais c'était moi qui l'aimais vraiment. Puis un forcené l'a tué alors qu'il bossait de nuit. Quand j'ai appris la nouvelle, je me suis assis et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant une heure. Le docteur Barney m'a persuadé que l'art-thérapie était la seule façon de m'aider à remonter la pente. Et elle avait raison, en fait. Je viens de finir la 14e portrait de Phil. Il est bien mieux que les précédents, mais encore très loin de la perfection. Alors donc, laissez-moi, je crois que j'ai compris un petit truc là. Phil, c'était le mec qui ne pouvait pas avoir de gosse, je crois. D'accord? J'ai pas envie de dire n'importe quoi.
Et donc il est mort, ok? Je pense, j'ai bien l'impression. Donc ce fil est mort. J'espère avoir été clair, n'est-ce pas, Makolavitch? Nouvelle entrée. C'était trop tard, mais j'ai découvert qu'il travaillait avec Rosartins. Oh là, putain, rien qu'à prononcer, cousin. C'est compliqué, hein. It's complicated. Ok. Ouais, mais là, on s'enfonce dans l'asile. Plus on s'enfonce dans l'asile, plus on apprend des trucs, frérot. Je suis pas bien. Je suis pas bien. D'accord, qu'est-ce qu'on a? Oh, session d'art-thérapie. Tous les lundis et vendredis à 16h, bâtiment C. Tous les patients sont les bienvenus. Ok, j'espère qu'il faut pas retenir les dates, les heures et tout pour l'enquête, sinon on est mort, les mecs. On est clairement mort. On est mort dans le film, mais pas que, ok? D'accord, donc on va pouvoir y aller. J'ai peur. On a quelque chose par ici. Et on n'a rien par là. J'ai peur. Ok, donc on va lire. On va lire ceci, c'est une note très intéressante. Pourquoi les notes, il y a toujours du sang dessus, je ne comprends pas. Au départ, le docteur Benway était très réticent à l'idée d'organiser des sessions d'art psychothérapie à Lyndhurst. Mais aujourd'hui, il a l'air plutôt satisfait des résultats. Je suis très surprise des progrès qu'a fait le patient 2-19 ces deux dernières semaines. Il se sent toujours coupable et refuse de donner des détails. Le voilà maintenant qui se met à écrire pour en parler. Il cherche à communiquer et à exprimer ses sentiments pour la première fois depuis son arrivée ici. Ça avance. Ok, docteur Amanda. On a une nouvelle note ici, d'accord. Est-ce que ça serait pas le patient de 19? Non. Progression de l'état de santé du patient. Patient Densky Stephen, hein, bien évidemment. Malfaisante n'est pas le terme médical le plus approprié. Mais la main gauche de Stephen est malfaisante, c'est indéniable. J'ai lu les poèmes ou les histoires qu'il écrit avec ce bras et j'ai ressenti un sentiment de peur indescriptible. L'amputation est la seule solution dans son cas. Si ta main t'entraîne au péché, coupe-la, disait l'adage dans la Bible. Ouais, mais là, gros, le mec, il a écrit un poème un peu glauque, il veut lui couper la main, c'est tendu quand même, frère. Hein, enfin, lui couper le bras, même. Office. En fait, il y a une histoire, c'est terrible, Inception. Il y a une histoire dans une histoire qui mène dans une histoire. C'est assez terrible tout ce qui se passe, les gars. Plus je pense aux marionnettistes, ah, le retour, ça fait plaisir. Plus les vides dans mon passé et les trous dans mes souvenirs grandissent. Tous les moments dont je ne me souviens pas clairement, toutes les choses que j'ai faites sans avoir le contrôle de mes actions. Le marionnettiste ressemble peut-être à l'un de nous, mais ce n'est qu'un déguisement. Une ombre plane au-dessus de lui et il a une marque sous la peau. Je le vois dans mes songes. J'ai tenté de le tuer à maintes reprises, mais il revient à chaque fois et me dit que personne ne peut tromper le prince des mensonges. Ok. D'accord. Putain, et cette musique, les gars. J'ai peur. Oh putain. Ça y était pas tout à l'heure. Hein. À chaque fois que je lis un truc du marionnettiste, j'ai peur de me retourner et de voir une marionnette. Est-ce que les marionnettes représenteraient pas à chaque fois un mort ou autre? Je sais pas. Hein. Oh là là, c'est terrible. Hein. Ok, on va lire. Pourquoi avez-vous fait ça? Hein? Pourquoi avez-vous peint votre prothèse en noir? C'est déprimant. Bien sûr que non. Si. Et moi qui vous pensais guéri. Je suis guéri. Votre jambe était malade, vous vous souvenez? C'est pour ça que j'ai dû la couper. Je sais que vous y teniez beaucoup, mais parfois, il faut savoir renoncer à ce qu'on chérit le plus. Comment va l'autre jambe? Elle tient le coup, mais elle est un peu triste. Sa sœur a été amputée et elles étaient jumelles. Je vois. Peut-être qu'on devrait les réunir. Bien, je vais y réfléchir. Ok. J'ai été poussé. Non, j'ai eu peur. Oh putain de merde. Oh là 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 là. Oh frère, ça va frère? Ah! Il est parti. Il nous a abandonnés. Le marionnettiste est parti. Ok. Qu'est-ce qu'il va faire? Je n'en peux plus, c'est trop dur, c'est trop dur. La sécurité, le refuge, le confort, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est tous là. Ok. Pas de soucis, mon frère. Tout va bien. L'isoloir. On va s'amuser là-dedans. Ok, il y a une marionnette. Attachée. J'ai peur, hein. J'ai peur de lire chaque note. La plupart des détenus que j'ai rencontrés parlent beaucoup de la guerre. On a tous des souvenirs, des choses qu'on a vues ou faites. La première fois que je me suis réveillé dans ma cellule,
Je me suis dit que ça devait être une sorte d'expérience militaire pour confronter les soldats à leur trauma. Dans ce cas, le marionnettiste serait notre commandant en chef. Sommes-nous tous prisonniers de notre plus grand ennemi? Le marionnettiste marionnette est donc... Ok. Mais est-ce que le marionnettiste ne serait pas au final notre volonté? Je sais pas, hein, les gars, j'essaye de comprendre, on essaye d'aller loin tous ensemble, hein. Encore une fois, c'est pas acquis. C'est pas acquis à caisse, comme on dit. Patient 8-3 vient de subir la perte d'un être cher. Son amant a été tué dans une fusillade. Les autres thérapies n'ont pas fonctionné pour lui, alors je pense que c'est le moment d'essayer l'art-thérapie. Oh! Ok. Oh putain, nouveau message. Thérapie artistique. Ça m'a vraiment aidé. J'ai peint... Quoi? Il essayait juste de joindre les deux bouts à surveiller un putain de parking. Je suis aux toilettes, j'arrive. C'est le dernier SMS que j'ai reçu de lui. J'ai attendu 6 heures jusqu'au moment où quelqu'un a retrouvé son corps. Ah. Attendez. Ok, ça m'a vraiment aidé. J'ai peint que tu te faisais buter encore et encore. Ok. Sympa l'ambiance. De qui et de quoi il parle? Aucune putain d'idée. Avec cette musique toujours. Attends, on s'enfonce de plus en plus dans cet asile. Ok. Je commence à comprendre des trucs, mais... Oh putain. Tu voulais te cacher, hein? C'est moi, l'homme ici. Je suis l'homme de la maison. Tu m'appartiens. À moi, 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 moi. Je fais ce que je veux. Absolument tout. Ok. On va essayer de lire ça. Ça serait pas mal déjà avant de mourir. Le marionnettiste aime autant l'art que les artistes. Mais son art vaut plus que la vie. Tous ces gens, leurs ambitions et leurs rêves suspendus par une ficelle au-dessus des ténèbres. Il choisit ceux qui seront sauvés ou ceux qui chuteront. Sympa, je commence à... J'ai dit que j'allais pas tuer, mais vous savez quoi? Mine! À moi, à moi! J'attends. En fait... Attends, je peux pas fermer? Ah! Bah j'ai... Bah voilà. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? J'attends de voir, les gars, j'attends de voir. On essaye, hein, parce qu'au final, c'est un innocent, n'est-ce pas? Comme certains le disent. On va voir ce qui se passe. D'accord, non, bah non, bah faut juste l'enculer en fait. Faut l'enculer comme Jaja, donc je vais me faire un plaisir de l'enculer comme Jaja. Et ça, ça va me faire plaisir, c'est moi qui vais régaler. Je vais même pas ouvrir la porte, les gars, personne sera prêt. Vous êtes prêts? Ah bah, les gars, le sang, ça va décoller. Hein. Oh putain, attendez. Le sang, ça va décoller, c'est moi qui vous le dis. Hein. J'ai voulu lui donner une chance. Mine! Allez. Parce qu'au final, est-ce que je pouvais vraiment courir pour me mettre en sécurité? Je ne pense pas. Tiens, hop, on va ramasser, on va récupérer calmement sa vie. Mais j'ai l'impression que c'est toujours le même avec ses cheveux rouges, c'est terrible. Ah! Les gars, pourquoi vous me donnez autant de balles? Ok. Quel est ce bruit? Tête de ma mère, j'ai entendu quelque chose. C'est quoi ce bruit? Quoi? Je suis sûr que c'était pas lui. Red, comment vous faites? C'est vous qui faites cela, monsieur Black? Une inexactitude de l'unité Pandore. Il arrive qu'elle superpose des images à la réalité. Bordel, mais comment c'est possible? Oui, comment c'est possible? Frère? Je suis censé les enculer ou pas au final? C'est des marionnettes, donc ils sont pas de vie normalement, non? On est d'accord. Ok. Ok. Ok, on va se cacher quand même. On va pas faire trop les shows. Ah, parce que là, il n'y a pas de corner gun, les gars. Là, c'est que du... C'est que du fight, hein. On va se les faire calmement. Et puis, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est un putain de délire. Petit salto arrière, c'est moi qui régale. Ok. Ça va, les gars? Ah oui! Il convulse de ouf! Ok. On va essayer de chercher des petites preuves à gauche, à droite. Hein. On sera malentendu, les gars.
Et on va rentrer dans une autre partie de l'asile, peut-être le manoir là-haut, je ne sais pas. Tiens, voilà, il y a des choses sympas. Un dessin. Big John, son meilleur ami. Ok. Le patient 1-18. J'ai juste l'impression qu'on est dans un putain de bad trip en fait. On est juste fous, les gars. Et la fin du jeu, ça sera... Bien joué! Vous êtes fous! Totalement fous! J'espère que cette aventure vous a fait extrêmement plaisir. Quoi? Sainte mère de Dieu! Oh putain, on est dans la merde, les gars. Ça commence à devenir un petit peu hard. Ça, je voulais voir si on pouvait pas, sur un malentendu... Ok. On doit aller dedans. Mes excuses, monsieur Black, l'unité Pandore peut se révéler capricieuse. Je vous assure que je viens de réparer toute anomalie pour l'instant. Ça commence à me gonfler, ces caprices. Nous travaillons avec un prototype, monsieur Black. Cela n'a rien de gonflant. C'est même plutôt fascinant. Facile à dire. C'est pas vous qui vous faites tomber. Ah ! Quoi ? Attends. Je suis déjà venu ici, je crois. Ok, on va inspecter ça et puis je pense qu'on va s'arrêter là. Session d'art thérapie. Ah ! On va voir des tableaux bien glauques comme on les aime. Ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Une petite machine à écrire tout ça. Allez, on voit ça la prochaine fois, les gars. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Ouais, c'est tellement grand. Droite ou gauche, on verra, on choisira avec le temps. N'oubliez pas le j'aime, commentaire. A plus tout le monde, ciao ciao.